bien, salut à tous la team Zen, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui jeudi les gars, la journée de sortie de défi de cette semaine 8, eh bien je viens de finir tous mes défis de cette semaine et donc on va avoir le nouvel écran de chargement de la semaine 8 où on va devoir aller chercher un emplacement secret les gars, puisque regardez, hop, la semaine, donc le... Pardon, l'écran de chargement ressemble à ceci. Et c'est quoi? C'est une salle d'arcade. Alors je vais vous en... Comment dire? Je vais vous envoyer... sur la carte de Battle Royale et je vais vous montrer où est-ce que ça se situe exactement. Vous allez voir que c'est super facile. Donc je vous retrouve sur la carte. Nous voici sur la carte de Fortnite comme je vous disais. Alors les gars, pour cet écran de chargement de la semaine 8, il va falloir se rendre à Megamall et plus exactement ici où j'ai mis le point. Eh bien, vous allez voir les gars que toutes les semaines impaires, donc 1, 3, 5, 7, 9, vous allez avoir des étoiles et que toutes les semaines paires, 2, 4, 6, 8, 10, vous allez avoir des puces dans les écrans de chargement à trouver. Donc la semaine dernière c'était la puce qu'il fallait aller chercher à Tilted, et la puce en question, donc pour ces écrans de chargement, eh bien elles sont pas disponibles directement le jour où vous finissez vos défis. Donc d'habitude on me traite de mytho et de fake et compagnie. Moi je vous montre les emplacements où la puce va être normalement vers dimanche, si tout se passe bien. Parfois ils arrivent à la sortir samedi, mais normalement c'est dimanche. Donc je sais pas pourquoi ils la sortent le dimanche et que c'est que à partir de ce jour-là qu'on peut aller les chercher. Mais en tout cas, la salle et le jeu d'arcade, c'est ici. Et on voit bien donc que dans l'écran de chargement, les deux skins se retrouvent ici, le Banana et le Johnny Z, sont ici à cette borne d'arcade et que derrière eux, on voit ceci. Donc voilà, comme ça. Donc c'est bien ici que l'écran de chargement est et qu'il faudra venir chercher la puce. Il ne faut pas venir la chercher tout de suite parce que, comme je vous dis, elle n'est pas disponible directement. Il faut toujours attendre qu'il la sorte. Mais de toute façon, en consultant votre page de défi décryptage, vous allez voir quand est-ce que la puce sortira. Je vous dirai aussi également quelle puce ce sera dans le titre. Je vous mettrai justement l'actualité de ce qui va arriver donc prochainement. Donc vous inquiétez pas, ne me traitez pas de mytho, soyez juste patient jusqu'à dimanche. C'est pas du clic à pute, c'est pas du tout ce que vous allez croire. C'est comme d'habitude, vous allez qu'à voir, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est que du vrai. Je fais pas de fake, donc vous la trouverez bien ici quand elle sortira vers samedi dimanche, comme je vous dis, donc dans 3 jours. Donc voilà les gars, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de mettre mon petit code créateur Telmo-Lopez, de vous abonner et bien sûr d'aller sur Insta et Discord pour être au courant des dernières actualités. N'oubliez pas de rester zen, je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.